bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma Panic Room, où je vous propose de vous réfugier et d'en profiter pour découvrir les livres les plus mystérieux de ma bibliothèque. Alors faites comme chez vous, installez-vous sur ce bon fauteuil et plongez avec moi dans les mystères de la littérature. Le Codex Serafinianus est un livre mystérieux, écrit et richement illustré à la fin des années 1970 par Luigi Serafini, un artiste italien touche-à-tout. Cette encyclopédie d'un monde imaginaire, surréaliste et présentant une humanité fantaisiste, est un best-seller mondial. Dépassant les frontières du lisible, mêlant illustrations fabuleuses et écriture énigmatique, l'ouvrage est une source inépuisable d'inspiration. Sans cesse réédité depuis sa parution, le Codex Serafinianus est aujourd'hui l'un des livres les plus étranges du monde. Le Codex Serafinianus est une œuvre de 400 pages environ, entièrement manuscrite, illustrée de dessins fantaisistes et conçue comme une vaste encyclopédie d'un monde totalement imaginaire. La première page propose une sorte d'avant-propos ou de dédicace qui présente cette écriture étrange et déliée que l'on retrouvera tout au long de l'ouvrage, alors que les pages de titre sont illustrées d'un étrange oiseau mécanique et d'un paysage féerique qui annonce l'esthétique visuelle du codex. L'ouvrage est ensuite organisé en 11 parties qui semblent chacune décrire un aspect spécifique d'une planète non identifiée ou d'un univers humanoïde parallèle. Chaque chapitre est identifiable par une page qui présente un dessin très simple, mais toujours mystérieux. La première partie concerne la flore et s'étend sur 35 pages, alternant explications et schémas, avec des dessins présentant d'étranges végétaux ou des méthodes de culture bizarres. Certaines planches ressemblent à des herbiers médiévaux ou proposent des fruits et légumes hybrides, mais d'autres présentent des éléments totalement fantaisistes, comme des arbres mobiles capables de nager, ou l'art de faire pousser une chaise. La faune est ensuite développée sur plus de 50 pages et propose aussi une alternance de pages manuscrites et de planches d'illustrations commentées. On y trouve des représentations de ce qui ressemble à des micro-organismes, puis toutes sortes d'animaux étranges, parfois dans leur environnement, mais aussi des hybrides, ou des dessins proposant une alternative aux lois de la nature, comme la naissance improbable des coccinelles, ou d'énigmatiques hommes-oiseaux. Dans la troisième partie, on découvre 20 pages sur de curieuses créatures bipèdes, qui semblent former une race à part, quoique diversifiée, dans cet univers singulier, car on les voit côtoyer des êtres humains normaux. Certaines ont l'air destinées à des tâches précises, alors que d'autres paraissent simplement adaptées à un lieu ou à une circonstance. Les parties suivantes contiennent toute une trentaine de pages, comme la physique-chimie, qui présente des sortes de particules élémentaires, ou des molécules en forme de sphères, d'œufs ou de quadrilatères. Certaines planches font penser au principe de l'électricité ou à l'analyse microscopique, alors que d'autres illustrent d'obscurs mécanismes accompagnés de schémas. La cinquième partie propose des machines et des véhicules plus invraisemblables les uns que les autres, parmi lesquels on trouve une singulière machine à laver la vaisselle, d'énigmatiques engins roulants, d'étonnants bateaux, et même une sorte d'hélicoptère à arc-en-ciel, plutôt poétique. Le chapitre « Biologie et corps humain » présente des planches d'anatomie bizarres où une humanité hybride semble s'être développée avec des objets. Certaines pages font une étrange corrélation entre l'accouplement humain et la formation d'un crocodile ou proposent une variété dérangeante d'œils.
La partie se termine sur la présentation de différentes catégories d'êtres humains ressemblant aux membres de tribus, parfaitement adaptés à leur curieux environnement. La partie Histoire et géographie contient des illustrations de visages de profil qui paraissent représenter différents peuples, puis des cartes géographiques imaginaires, avant de proposer des mises en scène de coutumes, des fêtes ou des rencontres protocolaires. La huitième partie est consacrée à l'écriture et présente de nombreuses pages explicatives suivies de signes de ponctuation, ou d'étranges panneaux qui ressemblent à des lettres, mais aussi des mots qui s'envolent, ou de curieuses façons d'écrire, avec des encres farfelues composées d'êtres vivants. Le chapitre suivant concerne l'alimentation et l'habillement, et propose des schémas qui quadrillent bizarrement la présentation d'une assiette, ou présentent différents types de brochettes. Dans cet univers étrange où le frigo est vu comme un dieu et où l'on enseigne son importance dans les classes, on trouve également une assiette électrique pour prémâcher les plats et un astucieux système de robinet à poisson. La partie vêtements propose divers accessoires, gants, écharpes et couvre-chef, pantalons et chaussures, hauts, robes et tuniques, puis des illustrations d'étranges lunettes. Le chapitre divertissement est le plus court et illustre divers jeux de cartes, ainsi que des activités sportives et différents jeux et divertissements qui demeurent parfois bien obscurs. La dernière partie, consacrée à l'architecture, présente des bâtiments futuristes, des ponts plus bizarres les uns que les autres, ou des sortes de prisons géométriques. Mais bien des illustrations paraissent plus proches d'œuvres d'art que de réelles constructions. On y trouve aussi des plans, des vues d'architectures urbaines comme des places et des rues, ou d'énigmatiques labyrinthes. Enfin, la dernière page du Codex Serafinianus est assez sombre et se soulève pour dévoiler mystérieusement les os d'une main entourée de puces. Toutes les parties du codex sont ainsi très richement illustrées avec une abondance de détails et de couleurs. Dans certains chapitres, des éléments de notre monde semblent se mélanger entre eux de manière amusante ou se fondre avec d'autres plus bizarres. On trouve ainsi des végétaux échelles, toiles d'araignées, allumettes ou crayons, de drôles de poissons balais ou ironiquement scaphandriers, et même un cheval chenille. Mais parfois, l'ouvrage propose des illustrations abstraites bien plus énigmatiques, voire totalement mystérieuses. Cette immense création fantasmagorique semble être le mélange d'une encyclopédie poétique se voulant exhaustive et du manuscrit de Voynich pour l'énigme indéchiffrable qu'elle propose. Le Codex Serafinianus est entièrement rédigé dans une écriture manuscrite que personne n'a réussi à déchiffrer à ce jour. L'énigmatique langue du Codex est retranscrite dans une graphie ronde et déliée, présente tout au long des 400 pages de l'ouvrage, tant sur les légendes des dessins que sur les pages de titres, de textes ou les diverses tables des matières. L'écriture imite les systèmes de style occidental, un texte rédigé de gauche à droite, disposé en rangées, une sorte d'alphabet avec majuscules, minuscules et chiffres. Mais la calligraphie très arrondie rappelle aussi certaines écritures sémitiques, comme l'arabe, ou l'étrange langue du manuscrit de Voynich, un livre anonyme et non daté, dont l'écriture est toujours un mystère, et qui présente aussi d'énigmatiques illustrations. Dans le chapitre sur l'écriture, deux pages contiguës du livre proposent des images plus symboliques et assez sombres. Sur la première, un homme symbolisant l'écrivain rédige de son bras stylo-plume sur un tableau quadrillé quelques mots de français à peine cohérents dans le contexte du livre. Ce sont les seuls mots compréhensibles du Codex Serafinianus. On y distingue la phrase « Fille orgiaque, surgit et devinée, le premier jour sur la digue de Balbec ». Citation tirée d'Albertine disparue, sixième tome du roman fleuve de Marcel Proust, « À la recherche du temps perdu ». On trouve aussi d'autres mots éparpillés, comme « tomber à ses pieds »,« désir »,« ailleurs »,«
franchir, passionner, croire. Et sur la seconde planche, l'homme gît au sol, le corps transpercé d'un stylo. Son sang et l'encre qui se sont répandues sont du même noir, et d'autres mots sont lisibles. Encore, statuaire, souvenir, yeux baissés. On trouve également dans ce chapitre l'illustration d'une sorte de pierre de rosette à côté de laquelle Luigi Serafini se représente lui-même, tentant visiblement de nous donner les clés pour lire son œuvre. Cette pierre, qui devrait donc permettre la traduction, répertorie deux langues, celle du Codex Serafinianus et une autre, mais également inconnue. Au lieu de le dévoiler, la clé renforce encore le mystère, et l'écriture séraphinienne n'a toujours pas été déchiffrée à ce jour, malgré les efforts de nombreux linguistes. En 1924, André Breton définit le mouvement surréaliste comme un automatisme psychique pur, permettant d'exprimer la réalité de ses pensées, sans censure, que ce soit par l'écriture, le dessin ou de toute autre manière. Et même si le célèbre Salvador Dali affirmait « le surréalisme, c'est moi », on peut certainement placer l'auteur du Codex dans ce même courant artistique. Le Codex Serafinianus a été écrit et illustré par le graphiste et architecte italien Luigi Serafini à la fin des années 70 et publié en 1981 par l'éditeur Franco Maria Ricci. J'ai cherché beaucoup d'éditeurs avant de trouver un fou, et c'était Franco Maria Ricci. C'est le seul, parce que j'avais pratiquement essayé tous les éditeurs italiens, mais tout le monde pensait que j'étais fou, complètement fou. Lors d'une interview, il se définit comme un satrape de la pataphysique ou la science des solutions imaginaires. Créateur touche-à-tout, il conçoit par exemple l'affiche du film La Voce della Luna de son ami Federico Fellini en 1990, ou décore la station de Mater Dei du métro de Naples d'une grande sculpture de carpe en bronze polychrome, la Carpe Diem, précédée d'une fresque de couleur pavée intitulée Paradiso Pedestre. Il s'amuse aussi à affubler d'un nez rouge les statues des jardins de la Villa Borghese à Rome et présente en 2015 une exposition intitulée Sur terre et sur mer avec le Codex Serafinianus au Centre régional d'art contemporain d'Occitanie, où l'imaginaire du Codex est ainsi déployé pour la première fois en trois dimensions. Luigi Serafini y installe un univers polymorphe entre végétal et animal, monde marin et terrien. Ses sculptures, dessins et peintures, son écriture et sa graphie si singulière transforment alors le centre d'art en un codex grandeur nature. L'artiste a aussi été distingué par l'Université de philosophie, une organisation à but non lucratif fondée par François Gourd à Montréal, qui produit des spectacles et événements à caractère loufoque et rend hommage depuis 2009 à une personnalité reconnue mondialement pour sa pertinence dans le domaine de la folie créatrice. En 2013, l'artiste y présente son immense création et son fabuleux livre, le Codex Serafinianus, ainsi que le Décodex sur sa genèse, dans le film Luigi Serafini, grand rectum de l'Université de philosophie. Serafini ne fournit pas de réponse sur ce que le Codex signifie réellement, pas plus qu'il ne donne de clés pour déchiffrer son écriture. Il insiste au contraire sur le fait qu'elle ne signifie rien. L'écriture du Codex n'est qu'un écrit graphique, pas une langue, même si elle donne l'impression de l'être. Une écriture des lettres, un graphisme qui est... c'est une confusion d'alphabet. Ainsi, Luigi Serafini a voulu remettre les futurs lecteurs de son œuvre dans la position de l'enfant qui découvre un livre mais ne peut le déchiffrer, mais aussi dans celle d'un chercheur qui découvre une nouvelle civilisation. Et c'est certainement inspiré du manuscrit de Voynich, notamment en ce qui concerne l'organisation du codex, mais aussi le graphisme de l'écriture. C'est d'ailleurs lui qui se représente expliquant l'impossibilité de traduire son œuvre dans l'autoportrait qui le place près d'une pierre de rosette, mais qui répertorie ironiquement deux langues imaginaires. Entre lisibilité et visibilité, le langage inventé par Luigi Serafini devient paradoxalement universel parce qu'il est lisible, traversant ainsi les cultures et les générations, au-delà des frontières.
Le Codex Serafinianus est une œuvre inclassable, encyclopédie fantasque d'un monde imaginaire et surréaliste qui interpelle autant qu'elle intrigue. Initialement publié à 5000 exemplaires en 1981, puis réédité plusieurs fois jusqu'en 2013, où Luigi Serafini sort une édition luxueuse, signée et numérotée, l'étrange Codex Serafinianus propose un voyage dans l'imaginaire de son auteur, à laquelle le lecteur accède par le biais d'une écriture énigmatique et de fabuleuses illustrations qui sont une source inépuisable d'inspiration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux livres étranges et mystérieux.